저는 대한민국 충청남도 논산군 강경에서 왔습니다. 38년 전에 남대문 시장 들어왔습니다. 30년 전에는 남대문 시장에 자기 의지대로 방향을 틀 수가 없었어요. 뒤에 오는 사람들에 밀려가지고 이렇게 직선으로 가다가도 사람이 밀려서 좌회전으로 꺾어야 되고 우회전으로 꺾어야 되고 이래가지고 자기 의지대로 갈 수 없을 정도로 사람이 많았습니다. 그리고 전에보다 남대문 시장이 과거 서울보다 지금의 서울이 좋은 점은 저희 조금만 했을 때 서울에 들어왔을 때는 과거에는 먹고 사는 문제, 배고픔, 경제적으로 춥고 배고프고 이랬는데 지금은 너무너무 좋고 행복한 세상이에요. 경제 발전에 이르고 과거 역대 대통령, 박정희 대통령이라는 훌륭한 분이 나와가지고서나 정치를 잘하고 그 이후에 정치인들과 기업인들이, 훌륭한 기업인들이 나와서 대한민국을 세계 경제 대국으로 만들면서 먹고 살기가 좋아지고 경제적으로 풍요를 느끼기 때문에 행복합니다. 아주아주 행복합니다. 대한민국 서울 화이팅! 대한민국 코리아 화이팅! 서울의 미래는 앞으로 세계 10대 도시, 아니 5대 도시 중에 하나가 될 거라 확신합니다. 프랑스 파리, 런던, 뉴욕, 서울, 베이징이나 도쿄, 이렇게 10대 안에 들어갈 거라고 생각합니다. 프랑스 여러분, 한국 놀러 오시면 꼭 대한민국 남대문 시장을 찾아주세요. 프랑스 사랑합니다.
les amis, c'est tout pour moi. Alors je vais vous expliquer, je pense que là en regardant la vidéo vous n'avez pas trop compris parce que c'est pas vraiment le type de contenu que je produis sur ma chaîne. Avec Amine et Guigui, Ichiban Japan, Japania, on s'est donné un challenge, on s'est dit et si on présentait nos villes, donc pour moi Séoul et pour eux Tokyo, en 5 minutes. Donc c'est un thème assez large et donc c'était un exercice comme un petit peu à l'école, en première, hein, au lycée, on vous donne un sujet, puis écriture d'invention. Cette vidéo c'était ça. Séoul, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, Séoul, c'est une ville étonnante, surprenante. Et surtout, l'histoire de Séoul, je pense que c'est ce qui me fascine le plus. Les buildings, tout ça, c'est joli à voir, etc. Mais moi, ce qui vraiment me marque jusqu'à présent, c'est le fait de savoir que, voilà, il y a quelques décennies, les gens mouraient de faim ici. Maintenant, ça roule en lambeaux, hein. Mais avant, ça mourait de faim. Et je trouve ça juste phénoménal, le développement économique fulgurant qu'a connu ce pays. Et pour moi, je pouvais pas faire une vidéo, en fait, parlant de Séoul, sans donner la parole aux bâtisseurs, aux fondateurs, aux Hokage de cette ville, qui sont les personnes âgées et qui sont souvent laissées de côté, malheureusement. Donc voilà, merci infiniment. Vous avez vu que dans cette vidéo, bon, vous avez pas vu, en fait, les termes du challenge, c'était qu'il y ait 3 contraintes. Donc, une contrainte donnée par Guigui, une contrainte donnée par Amine et une contrainte donnée par moi-même. Alors, la contrainte d'Amine, c'était qu'il y ait une braguette, ou que dis-je, une fermeture éclair qui apparaisse. La contrainte de Monsieur Guigui, c'était qu'un humain local parle, en gros qu'un japonais, qu'un coréen apparaisse dans la vidéo et parle. Et de mon côté, je dis, les gars, faites un jeune time-lapse, plus couramment dit. Donc voilà, vous allez retrouver tout ça dans les vidéos. Donc maintenant les amis, je vous invite vraiment à aller regarder leurs vidéos à eux. Là, au moment où je suis en train de filmer, j'ai déjà vu la vidéo d'Amine là. Elle est vraiment top, donc vraiment allez regarder leurs vidéos aussi. Donnez le soutien, voilà, le soutien patronal, c'est partout. Le patronat, c'est le conglomérat, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, des bails de joint venture. Pourquoi je prononce mal? Eh, je suis trop bête, j'ai fait une bête de vidéo et je suis en train de tout gâcher en disant n'importe quoi. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un jeune pouce bleu. Merci infiniment. Suivez-moi et suivez-les sur Instagram également. Suivez leur travail, abonnez-vous à leur chaîne. Ils font un travail formidable. Et au-delà d'être des youtubeurs hein, que je connais, c'est surtout des amis. Maintenant, Guigui et Amine, donc voilà, donnez-leur la force à même titre que vous le faites pour moi. Donc merci et je vous dis à mercredi, je vous dis à mercredi pour une, je vais dire une bête de vidéo, mais une très bonne vidéo que vous attendez et vous allez pas être déçus. Dans la même veine que je m'invite chez les Coréens, je vous en dis pas plus, mettez la cloche, mercredi seulement, abonnez-vous, ciao.